Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour essayer la Cupra Leon. C'est la première Leon de la marque Cupra. Pour rappel, Cupra est devenue une marque à part entière en 2018. Elle existe en deux types de carrosserie, la 5 portes et la Sports Tourer. Ici, c'est la 5 portes. Et elle est construite sur la plateforme MQB Evo. C'est la même plateforme que la Volkswagen Golf, l'Audi A3, la Skoda Octavia. Les feux full LED viennent de série. Moi, j'aime beaucoup l'effet carbone sur le fond du logo ici. C'est très sympa, le logo couleur cuivre, la calandre qui est différente et également des prises d'air qui sont différentes par rapport à la Seat Leon classique. On a des jantes qui sont en option, c'est les Laguna Seca Copper, 820 €. Les jupes latérales Cupra sont également en option, 350 €. Et j'adore cette petite arête qui court tout le long et qui vient rejoindre le bandeau qu'ils appellent Infinite Light. C'est la signature lumineuse de la voiture. Derrière, on retrouve le logo Cupra, toujours cuivré sur texture fibre de carbone. Les échappements couleur cuivre, le diffuseur. Et pour nous, les échappements, c'est du factice, puisqu'on est sur la version hybride. Et le système d'échappement se trouve en dessous de la voiture. Pour ouvrir le coffre, il suffit d'appuyer sur le logo. Je trouve ça assez cool. Il fait 270 litres sur la version hybride, contre 380 litres. Sur l'équivalent thermique, donc on a perdu un petit peu plus de 100 litres. Et je vais fermer le coffre, comme ça on va pouvoir regarder ensemble le bandeau lumineux et les clignotants à défilement. Ça, c'est la couleur gris graphène. Il y a possibilité d'avoir des couleurs mates en option et elle est disponible dans plusieurs motorisations, soit du full thermique, 245, 300 ou 310 chevaux, ou de l'hybride, de 245 chevaux. Et nous, comme on a la version hybride, eh bien la prise de recharge, elle est là, sur le côté. Sur notre version, le 0 à 100 km/h est abattu en 6 secondes 7. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la clé, que je trouve assez sympa, avec un motif fibre de carbone et couleur cuivre, et le petit logo Cupra. Les sièges baquets viennent de série, les nôtres sont en simili-cuir et en tissu, mais ils sont aussi disponibles en cuir véritable. Ils maintiennent bien, mais par contre, ils sont pas très confortables. À l'intérieur, c'est très moderne, on a des arêtes franches, on retrouve les petites touches de cuivre qu'on avait à l'extérieur, et puis des curseurs tactiles ici, la possibilité d'allumer les lumières en tactile ici aussi. L'écran de navigation, il est fractionnable en trois pour afficher trois informations en même temps. Derrière le volant, le Digital Cockpit, je trouve pas ça vraiment intuitif parce qu'il y a certaines informations essentielles qui mériteraient d'être affichées en gros et qui sont affichées en tout petit dans un coin de l'écran. Si on regarde la vitesse en digital, elle est affichée dans ce petit coin là, tout en bas à droite. Ce volant là est en option avec le logo Cupra couleur cuivre et le sélecteur de mode de conduite. Quand on appuie, ça change de mode de conduite et si on appuie longtemps, on passe directement en mode Cupra. Le toit ouvrant panoramique, c'est également une option à 1080 €. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour brancher votre téléphone ou tout autre appareil sur des prises USB. Ce que je trouve assez bien pensé, c'est qu'on a la possibilité de mettre la clé directement dans cet emplacement-là. L'assistant vocal ne fonctionne pas très bien, il s'active souvent pour rien et il comprend pas souvent ce qu'on lui dit. Mais en principe, le mot-clé pour l'allumer, c'est « Hola, hola ». Que voulez-vous faire ? Je vais vous montrer le paramétrage de la batterie. En appuyant là, j'ai le choix entre l'e-mode, le mode tout électrique, et le mode hybride. Dans le mode hybride, je peux paramétrer la charge de la batterie. Par exemple, ici, on va rester en mode full thermique jusqu'à ce que la réserve de batterie atteigne 100%. Ça peut être utile si par exemple plus tard, j'ai envie de rouler en mode tout électrique. La caméra de recul, je la trouve difficilement exploitable dans la mesure où elle déforme très fortement l'image et du coup c'est très difficile de se repérer. Maintenant qu'il fait un peu plus sombre, je peux vous montrer l'éclairage d'ambiance full LED qui fait tout le tour de l'habitacle. C'est magnifique, il sert aussi d'avertisseur d'angle mort. Quand vous avez un véhicule qui arrive dans votre angle mort, ça s'éclaire en jaune. Ici, je trouve ça super bien pensé. Il y a différents pré-réglages, par exemple des couleurs un petit peu plus chaudes. Même l'animation de changement de couleur est très travaillée. Et je peux passer en individuel pour régler la couleur du bandeau, par exemple ici en bleu, et la couleur des portières en vert. Je peux aussi régler la luminosité des différentes composantes de l'éclairage d'ambiance. Par contre, les contours des petites lumières restent sans arrêt allumés, c'est un petit peu perturbant pour la conduite. Et enfin, un détail génial, c'est le logo qui vient se projeter au sol la nuit. Je trouve ça super. Mmh.
matière de motorisation, on a un moteur thermique qui fait 150 chevaux, c'est un 1,4 litre TSI qui est couplé à un moteur électrique de 115 chevaux. Mais comme vous savez, on ne peut pas faire le cumul des deux, donc en tout on a 245 chevaux. Par contre, ça pousse très fort, 400 Nm de couple au maximum, c'est normal, on a un moteur électrique. Avec les normes actuelles, les sportifs sont obligés de passer par la case de l'hybridation. Donc d'un côté, cette voiture, elle a 2000 euros de bonus, mais d'un autre côté, quand on n'a plus de batterie, on n'a plus que 150 chevaux. C'est une traction, donc forcément sous la pluie, ça glisse, même un peu sur sol sec. Et puis en plus, comme on a un moteur électrique, on a 400 Nm de couple à faire passer sur deux roues, donc c'est un petit peu compliqué. Du moteur, ils ont mis une caisse de résonance dans le capot. C'est vrai que ça fait un peu too much, mais c'est quand même sympa. Puis moi je préfère ça plutôt que du son qui sort des haut-parleurs. Par contre, de l'extérieur on n'entend rien du tout. Elle est équipée d'une boîte DSG à double embrayage et la technologie Shift by Wire permet de faire en sorte que le levier de vitesse ne soit pas relié mécaniquement au moteur, mais de manière électronique. Les freins ont vraiment beaucoup de mordant. L'autonomie totale thermique plus électrique, c'est 677 km. Sur une borne de recharge adaptée, il faut entre 3 et 4 heures pour recharger complètement la batterie. Elle récupère également de la charge au freinage. Le système de récupération de l'énergie est vraiment génial. En fonction de l'itinéraire, si vous allez prendre une sortie, par exemple à la sortie d'autoroute, eh bien elle va vous dire « levez le pied », comme ça vous arriverez à la bonne vitesse au niveau de la sortie et ça permettra de récupérer de la batterie. Elle démarre automatiquement en mode tout électrique quand la batterie est suffisamment chargée, et ça fait un peu bizarre pour une sportive. Il y a différents modes de conduite, des modes qui sont plus confort, des modes qui sont plus performance. Et bien sûr, il y a un mode individuel qui permet de régler absolument ce qu'on veut. Avec toutes les batteries embarquées, par contre, c'est pas un poids plume, elle pèse 1671 kg. Il y a beaucoup d'aides à la conduite et de systèmes de sécurité de série ou en option. L'amortissement piloté vient de série, donc ça c'est une bonne chose. Le régulateur de vitesse adaptatif est un petit peu bizarre, il va ralentir s'il y a un véhicule devant nous. Par contre, lorsque le véhicule s'en va, il rétrograde et il met le pied au plancher. Il y a une application qui s'appelle Cupra Connect et qui permet d'avoir accès à tout un panel de fonctionnalités. On peut régler la température du véhicule à distance, la verrouiller et la déverrouiller à distance. On peut vérifier le statut de la charge lorsqu'on la charge. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais ça a l'air vraiment bien fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications et de lâcher un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao !